Une cinquantaine de salariés grévistes est réunis ce matin au pied des navires de la Méridionale. Ils s'inquiètent donc pour l'avenir des personnels. 500 employés, dont 150 insulaires, en cause donc la mauvaise posture dans laquelle se trouve la compagnie dans le cadre de la prochaine délégation de services publics transitoires sur la desserte maritime en Corse, puisque la Méridionale pourrait perdre deux de ses lignes historiques, Ajaccio et Bastia. Les représentants syndicaux CGT et STC se sont à nouveau entendus ce matin sur une stratégie de grève. Écoutez. Vu le conflit dans lequel nous sommes et qui va être pour nous sans précédent à la Méridionale, on a décidé et jugé utile les responsables d'arrêter les navires en Corse. C'est pour cela qu'on a mis cette stratégie en place, de mettre le Girolata à Ajaccio, devant les élus, devant la population corse, le Piana à Bastia demain matin, justement pour que la population le voie aussi et que ça fasse bouger un peu tout le monde. Et le Calisté, nous le gardons à Marseille, ça fait que la stratégie, c'est un bateau à Ajaccio, un bateau à Bastia et un bateau à Marseille. Les syndicats dénoncent une mauvaise gestion de la direction de la Méridionale et réclament un geste fort de la part de l'actionnaire principal de la compagnie. Si rien ne bouge, un nouveau préavis de grève pourrait être déposé dans les jours qui viennent.